Exemple d'un pays directement concerné par ces bouleversements, les Maldives, un archipel qui vit à fleur d'eau. Dans certaines îles, c'est déjà barrage contre l'océan. Un paradis pourrait disparaître, faute sans doute d'une prise de conscience internationale. Voyez ce dossier tourné par Nicolas Châteauneuf et Gilles Jacquet. Des vagues qui viennent mourir jusqu'au pied des villas. Des bungalows qui se rapprochent toujours plus du rivage. Aux Maldives, on dit souvent que les touristes ont les pieds dans l'eau, mais là, ça devient inquiétant. Bienvenue à Vabin Farou, une île minuscule qui abrite l'un des plus beaux hôtels des Maldives. Un écrin de rêve pour les amoureux, mais aussi une place forte qui se défend tant bien que mal contre les assauts d'un océan chaque jour plus agressif. À coups de tonnes de sable pompées dans le lagon pour empêcher plages et constructions d'être emportées. Avant, il y avait là une très grande plage avec beaucoup d'arbres, mais le sable est parti ailleurs. Il y a 6 ans, les employés de l'hôtel jouaient même au foot à cet endroit. Le docteur Abdulaziz est biologiste. Depuis des années, il surveille l'île et le récif corallien qui l'entoure. Vous voyez la longue traînée blanche qui s'en va dans ce sens? En fait, c'est du sable de l'île qui est emporté par l'océan. Aujourd'hui, l'érosion des plages est devenue pour nous un vrai problème. Depuis toujours, les Maldiviens savent que le moindre changement de vent ou de courant peut faire disparaître une île en quelques mois. Mais depuis 5 ou 6 ans, le phénomène d'érosion s'accélère. Pour Abdulaziz, un effet du réchauffement climatique et de l'élévation du niveau de la mer. À cause du réchauffement climatique, les courants ont une force inhabituelle. Les vents soufflent dans les mauvaises directions. En fait, ça ne coïncide plus avec ce que nous avons toujours connu. Il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. L'érosion des îles n'est pas la seule inquiétude des Maldiviens. Dans son laboratoire financé par l'hôtel, Abdulaziz étudie aussi les coraux qui forment autour des îles une fragile barrière contre les assauts de l'océan. En 1997, le passage des eaux chaudes d'El Niño avait causé des ravages. Aujourd'hui, certains coraux reprennent des couleurs. Mais Abdulaziz veut aller plus vite, alors il expérimente. L'année dernière, il a posé au fond du lagon une structure d'acier en forme de lotus, parcourue par un faible courant électrique. Objectif, favoriser la croissance du corail. C'est une sorte d'élevage. On peut prélever des branches de coraux pour les planter ailleurs. Les poissons vont s'y cacher, s'y rassembler. Les autres espèces s'y nourrissent. C'est tout un écosystème en miniature. Des îles comme celle-ci, il y en a 1200. Aucune ne dépasse les 2 mètres d'altitude. Les Maldives sont le pays le plus plat du monde et son cœur, c'est Malé. Une île surpeuplée qui doit se protéger de vagues de plus en plus puissantes. Avec l'aide du Japon, une gigantesque digue en béton a été construite en attendant mieux. On a besoin de cette digue, mais on ne peut pas en construire partout aux Maldives, parce que ça coûte très cher, 8000 dollars le mètre, et il y a 200 îles habitées. Payer le prix fort pour les excès des pays les plus riches, pour les Maldiviens et leur président, l'idée a du mal à passer. Chaque pays a l'obligation de réduire ses rejets de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre. En premier lieu, les États-Unis et l'Europe, mais aussi tous les autres pays. À défaut de terres nourricières, les Maldiviens ont su tirer toute leur richesse de la mer, même quand celle-ci se faisait menaçante. Mais aujourd'hui, il y a cette crainte nouvelle, celle de voir un jour leurs enfants ne plus pouvoir garder la tête hors de l'eau.